Oula, qu'est-ce qui se passe? Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode des Perles du Net. Donc c'est Seiken. Alors aujourd'hui je vais vous présenter The Iconoclast, un jeu qui a été développé par Konjac, encore lui. Oui, je vous avais déjà présenté The Legend of Princess qui avait été développé par cette personne. The Iconoclast, donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui a été abandonné. Une première fois, je joue là sur la version alpha, c'était la dernière version qui avait été mise en ligne. C'est après cette version que Konjac avait décidé d'abandonner le jeu. Et il a décidé dernièrement de reprendre le jeu. Et à ce que j'ai entendu, le jeu est bien avancé. Cette version alpha est vraiment un tout petit prémisse par rapport à ce qu'il a déjà fait sur le jeu. Il disait qu'il a même fait une version HD. Enfin, le jeu est beaucoup beaucoup plus poussé que cette version alpha. Mais vous allez voir déjà, c'est cette version alpha est tout simplement génialissime. Alors, je vais vous montrer ça. Alors là, vous voyez, on a été réveillé par une explosion. Donc, on va aller voir ce qu'il se passe. Alors, première chose que vous pouvez voir hein, graphiquement. Bah, c'est du Konjac, c'est magnifique. Regardez les couleurs, les sprites, même la musique, tout est vraiment très très bon. Regardez le design des arbres, les couleurs, tout ça, c'est vraiment du très 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 beau boulot. Alors qu'est-ce que c'est The Iconoclast? C'est un subtil mélange d'action, plateforme, puzzle et Metroid-like. Oui, rien que ça, rien que ça. Donc bah, vous voyez, on dirige ce petit personnage qui est en fait un ingénieur. Et au début, bah, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a été réveillé par une explosion. Il faut qu'on aille voir qu'est-ce que cela est. Alors, vous voyez, on a un pistolet. Hop. On peut sauter. On a un pistolet. On a aussi, vous voyez, un inventaire. Alors, vous voyez, avec une carte qui fait très, bah, très Metroid. C'est très très Metroid. À gauche, on a tout ce qui est défense, power, cool, expertise. Dans le jeu, on aura un système de craft, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer des objets. Vous voyez, de l'improvium, du métallium, tout ça. Et ces objets vont nous permettre en fait à augmenter les capacités de notre personnage. Donc un petit côté RPG vraiment sympa. Et le design du jeu, tout simplement excellent quoi. Mais comme je vous ai dit, hein, là je joue à la version alpha qui est en release sur le site. C'est pas la version complète. La version complète, d'une manière, n'existe pas encore. Mais c'est que le début du jeu. On va dire, on a une grosseur de jeu. On peut se faire une idée. J'ai qu'une chose à dire, vu l'heure que c'est, vivement que le jeu sorte. Et heureusement qu'ils ont repris parce que c'était une hérésie de pas continuer un tel jeu quoi. Alors, on va avancer un petit peu, je vais vous montrer tout ça. Oh, ce design, j'adore ce design. Alors là, vous voyez, on peut laisser appuyer le bouton pour faire un tir puissant. Et après, vous voyez, je peux plus utiliser l'arme tant que la barre n'est pas rechargée. Ah, bah voilà ce qui a explosé. C'est la maison qui a explosé. Alors, hop. Vous voyez, on peut se baisser, on peut ramper. Alors des coffres, vous voyez, on récupère des objets de craft. Beaucoup de petits passages secrets. Un système de jeu vraiment à la Metroid, c'est-à-dire qu'il faudra revenir sur ses pas quand on acquérera des nouvelles facultés ou des nouveaux coups pour pouvoir ouvrir certains passages. Donc du bon boulot. Alors la première boss, je commence à charger mon arme. Donc ce boss-là, il est pas très très difficile. J'avais terminé à l'époque la version alpha. Avant de faire le test, j'y ai rejoint un bon petit moment. Je suis pas allé jusqu'au bout de la version. Mais j'ai quand même pas mal joué. Bon, faut dire, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment du tout bon ce jeu. Hein. Vraiment. Je sais pas comment il va sortir. S'il va le sortir en version payante ou en version gratuite. Version payante, ça me choquerait pas, vu le boulot que c'est, surtout que déjà là c'est vraiment très très bien. Mais à ce qu'il en dit sur son site, le jeu maintenant n'a plus rien à voir, il est vraiment beaucoup plus poussé, avec de nouveaux villages, un mode HD, tout ça. Donc voilà quoi, c'est du tout bon. Donc là je me suis fait toucher, vous voyez ma vie 93% en haut.
Ah oui, non, là, il vaut mieux que je le bourrine. Oula. Donc, je vous ai pas dit, mais quand on tire, on a un système de lock automatique quand on est près d'un ennemi. C'est-à-dire que le tir va... On tire dans la direction où se trouve l'ennemi automatiquement. Très pratique, très pratique. Donc, comme ça, quand vous avez un ennemi qui est un petit peu mal placé, vous laissez simplement vous tirer tout droit et le tir va aller automatiquement sur lui. Donc, c'est plutôt simple. Bien sûr, on a la possibilité, vous voyez, de tirer en haut, de tirer devant. On peut même tirer en diagonale, donc là, il ne le fait pas. Mais on peut tirer en diagonale, enfin, c'est du tout bon. Donc, regardez, vous voyez, là, je s'appuie simplement sur le bouton tir et vous voyez, ça a tiré dans la direction de l'ennemi. Vous voyez l'appareil, j'appuie simplement sur tien. Donc c'est vraiment bien comme système. Vous avez vu les explosions, tout ça. Enfin, je sais pas, moi, l'univers du jeu, vraiment, je suis à fond à 200%. Quoi. Puis ces couleurs, oh là, je me répète, mais ces couleurs. Vraiment vivement la version complète. Mais bon, en attendant, allez télécharger cette version alpha, c'est du tout bon. C'est du tout bon. Nous revoilà au début. Alors là, cette statue, hop, je vous ai pas dit, mais c'est pour sauvegarder. Et la petite histoire. Qu'est-ce que je fais? Bah, je passe les passages d'histoire. Voilà, je skip. Ça vous donnera une bonne raison de faire le jeu pour voir l'histoire du jeu. Alors, on va aller en bas. Et là, on récupère l'objet très très important, la clé. Là, c'est maintenant, je peux utiliser une clé à molette. Et c'est, vous voyez, c'est avec cette clé qu'on va faire tous les puzzles du jeu. Enfin, de cette partie du jeu. Parce qu'après, je ne sais pas ce qu'ils nous ont prévu pour la suite. Alors, hop, hop, hop. Là, je vais prendre un petit passage, enfin... pas secret, mais là, vous voyez en haut, j'ai des genres de d'écrou. Maintenant, avec ça, je peux m'accrocher dessus. Alors, vous allez voir. Ok, ça m'aurait étonné que j'y arrive du premier coup, me connaissant. Hop, hop. Oh, l'action, c'est vraiment génial. Oula, bah pourquoi il m'a pas... Normalement, il saute automatiquement quand on est sur ces écrous-là. Là, il l'a pas fait. Première fois que ça arrive, donc je sais pas. Bah. D'accord. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas. Hier, je l'ai réussi du premier coup. Et là, bien sûr, c'est la vidéo, donc il va falloir que je foire 10 fois. Hop. Joli. Allez, donc là, vous voyez un petit coffre. Et dans le coffre, un objet de craft. Donc vous voyez, un très Metroid, beaucoup de recherche. Et vous voyez, maintenant, je peux faire ça avec ma clé et ouvrir ces passages-là. Hop, donc là, c'est fermé. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même génial comme jeu. C'est quand même génial. Moi, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Hein. Vraiment, vraiment. Ah oui, alors eux, pour les tuer, à la Mario, faut sauter dessus. Et après, on les bourrine. Hop. Qu'est-ce qu'il faut faire ici, au fait? Ah oui, alors ici, j'ai la première fois, mais j'ai galéré. Je savais pas quoi faire. En fait, il faut charger son tir, sauter et tirer en bas. Vous voyez, comme ça, ça me fait aller plus haut. Donc là, bien sûr, j'ai foiré, sinon c'est pas marrant. Oh là là. Donc c'est pas évident. Même hier, hein, je sais que j'avais pas réussi du premier coup. Oh, mais c'est pas vrai. Je vais pas y arriver. Bon. Ah, quoique. Voilà, on peut passer par là aussi. C'est vrai que j'avais oublié, on peut aussi passer par là. Mais voyez la technique du saut avec le tir, ça va être souvent demandé quand même. Ah, c'est... Hop, hop. Alors,
Oh, c'est pas vrai, toujours sauter dessus. Le jeu est pas évident, il y a des passages qui sont assez chauds. Vous voyez, hein, cette clé à molette, élément vraiment principal du gameplay. Vous allez voir, après, il y a des trucs super bien pensés avec cette clé. Voilà. Hop. Il me faut la clé. Voilà. Alors, pour avoir la clé, il faut que je tue lui. Alors, pour le tuer, vous voyez, il fonce. Hop. Il faut qu'il s'étourdisse et que je saute dessus. Vous avez vu, hein, les sprites, les skins des ennemis, le character design, c'est quand même vachement bien fait. Hein. Et hop, on a la clé, on ouvre. Comme ça, on peut ouvrir ici et on peut passer. Alors, vous avez vu la map, hein. Vraiment une map à la Metroid. Hein. Il n'y a pas à chier. C'est du Metroid. Alors là, ouais, il faut qu'on passe par le bas absolument. Oh là là. Eux, ils sont chiants parce qu'ils sont rapides. Hop. Hop. En plus, il leur faut plein de coups pour crever. Allez. Hop. Allez, viens là, mon coco. Allez, là il va courir, il va s'assommer. Et voilà, on n'en parle plus. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire là? Oui, c'est ça. Hop. Vous avez vu, hein, la technique du saut avec le tir. Hop, maintenant je peux monter. Et normalement, ça m'a ouvert la porte pour que je puisse aller vers le haut. Ça, on n'en parle plus. Nom de Dieu. Ah oui, là. Donc, toujours bien vidé. Voilà. Ah, mince, je me suis gouré. Je l'ai trop fait monter. Voilà, là, vous voyez, il faut que je monte là, que je fasse ça. Et après, que je fasse ça et que je le refasse monter jusqu'en haut pour aller là et là. Donc vous voyez, c'est quand même bien pensé, hein. Il y a pas mal de puzzles dans le genre. De toute manière, le level design du jeu, vraiment très très bien. Ah, lui il est chiant là. Hop, on va pas le tuer, on va le laisser. On va être... C'est mon jour de clémence. Je te laisse en vie. Je te laisse en vie, mon brave. Hop. Alors ici, ah oui, il faut qu'on aille récupérer. Ah oui, alors là, c'est chiant. Alors hier, je l'ai passé super vite. J'étais même étonné de moi. Mais vous allez voir. Vous allez vite comprendre. Ah oui, alors là. Hop. Hop. On va récupérer la vie. Alors là, il faut qu'on fasse monter ça. Alors ça encore, ça va, c'est pas le plus chiant. Qu'on fasse monter, qu'on se dépêche. Et voilà. Vous avez vu? Comme ça, j'ai pu passer, mettre l'autre truc. Et vous voyez, maintenant, il est bloqué. Il est bloqué. Alors là, là, il n'y a rien, non. Ensuite, il faut revenir ici. Je vais faire monter le truc. Et la plateforme revient. Voilà, comme ça, je peux passer. Donc, vous avez vu un level design quand même assez monstrueux. Hein. Assez monstrueux. Alors, c'est lui qui est chiant. Parce que lui, le seul moyen de le tuer, c'est de le tuer en baissant la... Oh, bah, du premier coup. Joli, du premier coup. Alors lui, oui, il faut le tuer, vous voyez, en baissant la porte. Alors normalement, c'est une grosse galère. Il faut jouer avec le timing, faire attention quand il revient, de le buter au bon moment, de faire baisser la porte au bon moment. Et là, du premier coup, putain, je reviens pas. Vous allez vous dire, mais c'est super simple. Mais non, je peux vous assurer que ce passage, il est super chiant. Mais bon, c'est très bien. Comme ça, on va pas rester des heures bloqués sur ce passage. C'est un petit peu ce qui me faisait peur, c'est qu'on reste bloqué sur ce passage assez longtemps. C'est que la première fois, j'étais resté bloqué à 10 bonnes minutes au moins. Je joue bien. Et mine de, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la première vidéo où je joue quand même assez bien, quoi. Je suis fier de moi. Alors là, petit village. Petit village, donc vous voyez, c'est superbe. Regardez les bâtiments. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique.
Regardez l'intérieur, les décors. Regardez le derrière le scrolling du décor. C'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas comment on appelle un scrolling comme ça, un scrolling différentiel ou un truc comme ça, je sais pas. Côté technique, je suis pas très très bon. Mais regardez le scrolling derrière, les couleurs, la musique, l'univers, c'est magnifique. Alors là, encore un petit moment d'histoire, je skip. Je vous laisserai faire le jeu pour regarder tout ça. Alors lui, personnage très très important, c'est lui qui va faire nos crafts. Donc, hop, alors là, pas de craft, information sur le craft, ou crafter des upgrades, plus exactement. Alors là, soit défense plus, alors vous voyez, j'ai un triangle bleu, un cube noir, un rond jaune, et j'ai zéro petite goutte blanche. Donc la défense, j'ai besoin d'un triangle bleu et d'un cube noir. Power plus, un triangle bleu et un rond jaune. On va prendre power plus. J'aime bien. Le power, mince. Si j'annule, ça le fait pas. C'est pas vrai. On va prendre le power plus. Ça me va bien. Voilà. Ah, les petites scènes excellentes. Les petites mimiques et tout. Et voilà, power plus 2. Donc j'ai crafté en fait une amélioration pour mon perso. Maintenant, si je vais dans mon menu, vous voyez à gauche, défense 0, mais power 2. Donc je serai un petit peu plus puissant. On va se faire une petite sauvegarde. Je sais pas jusqu'où on va jouer. Je sais pas jusqu'où on va jouer. On va avancer et puis on verra. On verra. On va pas aller jusqu'au bout. De toute manière, c'est quand même assez long. Et puis il y a pas mal de choses à découvrir. Vous verrez que vous jouerez avec un autre personnage. Il y aura d'autres boss. Enfin, faites-le. Pensez pas, là, avec cette vidéo, avoir tout vu, parce que ce serait une belle erreur de votre part. Pareil, hein, si vous voulez suivre l'histoire, faites-le pour parler un petit peu à tout le monde, lire. Vous allez voir que c'est pas mal du tout. L'histoire, elle est pas mal du tout. Pour moi, c'est le meilleur jeu de Kong Jack. Il en a fait pas mal, hein, de bons, comme The Legend of Princess. L'autre, c'est quoi, Manu Love, un shoot pédestre assez bourrin, assez fun. Mais Iconoclast, c'est le must du must pour moi. Il n'y a pas photo. C'est pour ça que je suis vraiment content qu'il ait repris ce projet. Hein. Vraiment, je suis très, très content. Et s'il sort en version boîte, ce qui m'étonnerait, qui est pratiquement impossible, je l'achète direct. De toute manière, dès qu'il sort ce jeu, quel que soit le support, je l'achète. Je l'achète, c'est clair et net. Bon, après, faut pas non plus qu'il soit trop cher. Si le jeu, il y a vraiment une version HD, qu'il est vraiment très long, et qu'il est vraiment... Ils ont vraiment bossé dessus, amélioré, je serais prêt à mettre jusqu'à 20€, sans problème. Sans problème. Alors... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Je me rappelle plus. Vous avez vu l'intérieur des maisons? Regardez. Là, on peut dormir pour se régénérer. L'intérieur des maisons, c'est super beau. De toute manière, c'est vraiment du bon boulot. Alors... En fait, il m'apprend comment naviguer dans mon inventaire. Merci, monsieur, mais je connaissais déjà tout ça. Peut-être à quelqu'un qu'il faut que je parle. Ah, voilà. Je me rappelais plus. Ah, voilà, là, il y a une petite histoire, donc je passe. Vous la lirez. Hein. Hop. Donc là, je suis désolé, cette partie, elle doit être un petit peu chiante pour vous, mais bon. J'ai envie de vous en montrer un petit peu après encore. Ah, j'étais pas rentré là-dedans, si, Community Center. Ah si, c'était le bistrot. Le bistrot. Les couleurs, elles sont quand même vachement bien choisies. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, là, c'est le gars qui nous craft. Ah, un nouveau perso. Bon, on va faire skip. Recevez qui est Ivolori Sleep. Qu'est-ce que j'ai eu?
Exchange for every battle à l'église. D'accord. Je peux l'échanger contre une batterie à l'église. Alors, on va y aller. On va aller à l'église. Hop. Donc, vous voyez, un petit côté RPG, discuter des villages, du craft. On skip et on a la batterie. Alors, la batterie. Bing it to... Oh là, j'arrive pas à lire. D'accord. Bon, je sais pas à quoi ça sert la batterie. Bah, on va aller se regarder ça. Est-ce que la porte là-bas est toujours fermée? Bah oui. Ça m'aurait étonné tout ça. Alors, il faut que j'aille leur donner au gars en bas. Ce sera abusé, hein. Il aurait pu l'amener lui-même son slip. Hein. Voilà, petite histoire encore. Je zappe. Ah, voilà, les gars qui vont venir nous chercher, je crois qu'ils vont nous emmener en prison. Alors, pourquoi ils nous emmènent, tout ça, pareil, faites le jeu. Je ne vous dis rien. Au moins, ça... Ce sera une excuse pour faire le jeu. Je skip toute l'histoire. Ah, mine de si, on est... Oh, enfin, on n'est pas loin de la fin. Alors là, vous voyez, maintenant, j'ai un autre personnage avec moi. Hop. Voilà, vous voyez maintenant où j'ai son portrait en haut. Donc je peux jouer avec le personnage. Alors, donc... Bon bah écoutez, de toute manière, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là, hein. Je crois que je vous en ai montré pas mal. Parce que là, c'est vrai qu'il ne reste plus grand chose. Bon, il en reste encore un petit peu, mais c'est pas énorme. J'espère que le jeu vous a plu. Je ne peux que vous conseiller d'y jouer, d'aller le télécharger. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Et puis voilà quoi, maintenant, il n'y a plus qu'une chose, c'est prier pour que le jeu sorte au plus vite quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon bah sur ce, je vous dis à bientôt. Prions ensemble pour avoir The Iconoclast assez rapidement dans nos chaumières. Et puis voilà, allez, salut tout le monde et puis à bientôt pour un nouvel épisode des Perles du Net. Bye bye tout le monde, ciao.